Bon tal zenna, gomboy bon tal zenna, fai patara, bon tal zenna, gomboy bon tal zenna, fai patara, beole veme, fobeye fobeye, wamik mazinwa, foterame wale zinwa, nos na chibe, nem na chibe, nyub na nyu hali, hali timo gande, ya. Mligidi nyodo, zennes nyodo, nyob son tate, saka zenna yaude. Petit waka, boli, adjoint comment? Toul. Ça va, c'est comment? Faut boire, c'est moi qui paye là. Oh. Yes, oui. Voilà, donc, Frère Malcolm, c'est un artiste africain du Burkina Faso, voilà, qui officie dans le hip-hop, l'afro-hip-hop, et donc, qui a sorti pas mal d'albums, on va dire, premier album 2016, deuxième album sorti en 2017 et en 2018 le troisième album se prépare et va sortir bientôt dans voilà, voilà. Et mon amour pour la musique est né depuis l'enfance. J'ai vu mes parents écouter la musique, en général la musique du Burkina, parce qu'on était loin du pays. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprécier, à commencer à imiter des artistes. Et petit à petit, je me suis retrouvé à faire de la danse hip-hop, et pas de façon professionnelle, mais voilà. Et ensuite, je suis passé au chant hip-hop, qui est, voilà, que je pratique jusqu'à présent. Passe comment? Montre une chétinare. Alors, tu es où? Faut venir avec tes copines. C'est gâté, c'est gâté. Les sucreries, faut jeter. Alcool à gogo. Assaisonné de petit go. Oh, mes inspirations, je peux dire, j'ai été, à mes débuts, j'ai été inspiré par beaucoup de groupes comme Positive Black Soul, Daraji. Aussi les RAS en Côte d'Ivoire, MAM, et puis on va dire beaucoup de rappeurs français, MC Solar, Kerry James, la liste est longue. Je pense que j'ai été inspiré par tout ce mouvement des années, on va dire, fin 90, 2000. Donc c'est de là que viennent mes inspirations. Fola Talra, Fola Pamiram Nubu, Menem. Bon, nostalgie de face au combat. Bon, pour le moment, je sens pas encore la nostalgie parce que c'est pas si loin que ça. Et je suis plutôt concentré sur la construction de l'avenir. Et j'ai pas le temps, en tout cas pour le moment, de d'avoir la nostalgie de quoi que ce soit. Bon, je garde face au combat de bons souvenirs. Parce que grâce à Face au Combat, j'ai fait pas mal de tournées à travers le monde, à travers le Burkina, à travers l'Afrique. Et voilà, c'est des bons souvenirs, c'est des bons souvenirs. C'est ce qu'il faut garder en fait quand, dans une relation, c'est garder les bons côtés des choses. Dans toute chose, il y a les mauvais côtés aussi. Mais on préfère garder les bons côtés. Moi, j'ai tout oublié, donc je pense que ça a été des bons moments. Et maintenant, on est passé à autre chose. Zamana pere, balé kurus na pare, kabeni ya msie, salagate tabete tonse, ya bal poussière, poussière. Mais je pense qu'au Burkina, l'avenir de la musique burkinabé n'est plus à démontrer parce qu'on voit arriver beaucoup de jeunes talents, beaucoup de jeunes motivés. Et puis ceux qui étaient là aussi, les devanciers, continuent de travailler, à grandir. Donc je pense que côté avenir, il n'y a pas de crainte à avoir. Et je pense que dans les années à venir, la musique burkinabé sera l'une des références à travers, on va dire, l'Afrique et le monde. Amidou, Amidou, Inche Amidou, 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 Banel Bado, Zurata, Nchema Zurata,
Mes projets à court terme, déjà, c'est la réalisation du troisième album et les vidéos aussi qui vont s'en suivre. Ensuite, à long terme, c'est vraiment d'organiser des véritables concerts dans les grandes capitales de l'Afrique. Et en commençant d'abord par le Burkina, jouer dans les grandes villes, des véritables concerts en live. Et en attendant, je suis dans ma tournée que j'ai baptisée Pays Réel Tour, qui consiste à aller dans les provinces les plus reculées du Burkina pour jouer et apporter ma musique aux populations les plus isolées. C'est qui le roi de la cérémonie? Je tenais à vous féliciter. Autant de talents au mètre carré. Chapeau bas, messieurs. Avec Yaibi, je pense que c'est quelqu'un que j'ai rencontré lors d'une interview à la radio quand j'organisais mon concert. Et il est passé me soutenir, il est passé acheter des billets pour le public. Et voilà, c'est de là qu'est née notre relation. Et après, ça fait des années que ça dure, on est amis depuis pas mal d'années maintenant. Et c'est quelqu'un de bien qui se bat beaucoup pour la culture burkinabé. Et voilà, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, même si c'est un gars, c'est un gourmandier. DJ Boumaye, envoie-moi le bon son. Liwaga, faut trap dans vos tympans. C'est carrément demain, c'est pas une révolution, non. Meeting powder, c'est une démolition. Mon rêve d'artiste, c'est vraiment de faire plaisir à ceux qui m'apprécient et d'être toujours, on va dire, au sommet de mon art. Voilà, moi je pense que mon rêve, il se limite à faire plaisir aux gens. Zurata, Nchema Zurata, Zurata, Banel Bardo, Hamidou, Hamidou, Nchema Hamidou, Hamidou, Hamidou. Je pense Onéa travaille mieux. La gang woman. Oui, c'est là. Un football. Ah non, ne me mettez pas dans ce truc là. Les deux. Bon, ce que j'aimerais dire à mes fans, comme on dit, c'est vraiment merci. Merci pour la confiance parce que, voilà, depuis que je suis en solo, il y a beaucoup. J'ai été très bien accueilli. Ma musique est appréciée partout, par les jeunes, les moins jeunes, les mamans, les papas, tout le monde. Et je suis très ravi en tout cas de cette expérience. Et je leur dis encore merci et je pense que je vais toujours travailler à ne pas les décevoir. Et voilà, vraiment merci à vous.